Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. Ce matin, le Seigneur demande de l'élever. Ce matin, le Seigneur te demande de le louer. Ce matin, le Seigneur te demande d'élever ton cœur et ton âme vers lui. Élève ton esprit vers ce Dieu qui t'a créé, qui t'a fait, et adore-le. Amen. Élevons-le. Tu es en train d'élever l'Éternel. Toi également, ton âme, ton esprit, ta vie s'élève vers lui. Et les problèmes, les difficultés s'abaissent. Maranatha, si tu comprends ce secret, à chaque fois que tu te réveilleras, tu commenceras à élever ton Dieu, à louer, à bénir celui qui t'a fait. Alléluia. Oh! Comme tu veux, adore-le, magnifie-le, loue-le, élève-le, remercie-le, fais tout ce que tu désires dans sa présence pour
le vénérer, pour l'adorer, pour l'ovationner. Voilà, élève ton esprit et ton cœur vers lui et tu verras qu'il t'élèvera également vers lui. Amen. Et que le Seigneur vraiment nous garde, que le Seigneur vraiment dirige nos pas, conduise nos pensées, conduise vraiment tous nos actes, tous nos projets, toutes nos volontés vers lui et qu'il soit le maître de cette journée. Que le Seigneur te garde, mon frère, ma sœur, que le Seigneur pose son regard sur toi, que le Seigneur illumine ta route, que le Seigneur vraiment te remplisse de surprises agréables durant cette journée et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.